La France contre l'Espagne. Une rivalité emblématique au basket, au football, mais aussi de plus en plus sur Internet. Ça fait longtemps que les deux pays se chambrent gentiment sur Internet, notamment à travers le jeu vidéo League of Legends. Mais depuis quelques temps, cette concurrence est entrée dans une autre dimension. Déjà avec la nouvelle rivalité entre deux jeunes équipes d'e-sport, la Carmine Corp, menée par le français Kameto, et la KOI, créée par Ibai Llanos et Gérard Piqué. Et avec des supporters à fond derrière leurs joueurs, chaque match a des airs de finale de Coupe du Monde. Bon, surtout côté français. Mais le summum de cette rivalité franco-espagnole, c'était probablement en avril 2022 avec la Pixel War. Sur Reddit, chaque internaute pouvait colorer un pixel d'une immense zone de la couleur de son choix. De quoi créer des dessins, des logos, et même des symboles patriotiques qui ont vite fait de se bagarrer pour occuper le maximum d'espace. Et bien sûr, ce sont les Français et les Espagnols qui ont fini par se livrer une bataille épique, avec des fronts, des leaders, des négociations, des discours enflammés, et à la fin, une victoire incontestable pour la France. Désolé. Et ce 19 novembre, c'est sur un vrai terrain que les deux pays s'affrontent. Le match de football 11 All-Stars va opposer des streamers français et espagnols, et les deux équipes seront coachées par Kameto et Ibai Llanos, autant dire que l'ambiance risque d'être survoltée.